Bonjour, je veux vous présenter Dritron, un produit que nous avons et qui utilise la même technologie dritronique que nos robots. En effet, il sèche une vernie transparent en un peu plus d'une minute ou un après ou un mastic en 40 secondes. Fonctionne avec une petite bouteille de gaz de camping. Cette lampe est également équipée d'un lecteur laser pour lire la température, et a son propre écran qui montre combien de degrés est de la surface qui est en train de sécher. Dans quelle situation peut-on l'utiliser? La première solution est pour les grandes surfaces de stuc, puis atelier de tôlerie, pour les stucs même de cette taille. Il est extrêmement facile, car il est plus ou moins la surface de deux lampes. Donc dans environ 40 secondes plus 40, total 80 secondes ou quelques minutes et le mastic sera séché. L'autre type d'utilisation, est pour les réparations cosmétiques, petite et moyenne et où à un moment donné je peux utiliser cette lampe Dritron, pour le stuc, l'après, la base et la vernis transparent. Donc, sur l'ensemble du processus. Nous verrons en conclusion quels sont les temps de traitement avec ce produit. Merci.
Eh bien, nous venons de terminer deux types de travaux en utilisant Dritron. Un travail a été de cosmétique, c'est-à-dire du début à la fin de la réparation avec du stuc, de l'après, de la base et de la peinture transparente. Le second, par contre, a été un travail de réparation seulement du stuc, pour le département de tôlerie. En fait, ce sont les deux utilisations possibles du Dritron. Maintenant, voyons ce que les temps ont été dans l'atelier de tôlerie. Pour un jointoiement important comme celui-ci, le temps de séchage a été de 3 minutes, et en 7 minutes nous avons fait à la fois l'application et le séchage, c'est-à-dire prêt au ponçage. Il n'inclut pas les temps de ponçage car ils peuvent varier. Au lieu de cela en ce qui concerne la réparation cosmétique, donc un petit dommage, le temps de séchage du mastic était de 50 secondes et les 8 minutes sont pour le temps total, qui comprend l'application et le ponçage. Pour l'après, 1 minute d'application et 8 minutes au total, qui comprend également ici le temps de ponçage, puis nous voyons la base de l'eau, 1 minute de séchage et 3 au total, y compris le temps d'application. Pour le vernis transparent, 1 minute et 30 secondes, et 3 minutes y compris l'application. C'est-à-dire pour faire le travail que vous avez vu, nous avons pris au total 22 minutes et de séchage seulement 4 minutes et 20. Merci.